bilan ces deux jours à Londres, deux victoires. Deux victoires. Donc c'est tout ce qu'on retient, deux victoires. Un bon état d'esprit. On a entamé ces deux matchs avec beaucoup de sérieux et à la fin on a les deux victoires, même si ce soir c'était plus difficile que hier soir. Deux victoires satisfaisantes pour l'équipe et maintenant il faut continuer à avancer vers l'avant. Tu sens que cette équipe peut aller loin si des bases sont posées? Il y a pas mal de talent finalement. Il y a du talent, c'est une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, avec des bases strong. Sky's the limit, you never know. Je parle en anglais. On ne sait jamais qui peut nous arrêter ou qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, faut juste qu'on continue à travailler et garder les mêmes bases. Pour toi, c'était aussi l'occasion de rencontrer Alexis Aginsa, match franco-français. On a parlé. Particulier. C'est particulier un petit peu parce qu'on était à Londres. On n'a pas vraiment eu l'occasion de jouer l'un contre l'autre. Un tout petit peu. Il m'a mis 2 points, je crois. Et c'est tout. J'ai pas pu scorer sur lui, donc un peu déçu par rapport à ça, mais bon, c'est pas grave. Il y a une vraie frustration? Non. C'est pas un peu partagé quand même entre le fait que d'avoir gagné et pas avoir eu tant de jeu dans un match comme ça avec 3 points? Non, parce que si on rentre là-dedans, on est frustré tous les matchs. Et après, ça enlève le goût de la victoire. Donc, non. Donc, c'est toi que Brook Lopez sort pour 6 fautes, c'est le coach, c'est pas toi qui l'appelle pour rentrer? Non. Ça faisait un moment que j'étais sur le banc. Je m'attendais pas à rentrer non plus. Je pense pas que à sa place je me serais pas fait rentrer non plus. Ça fait un moment que le joueur est sur le banc, il y en a d'autres qui jouent, donc non, je m'y attendais. On va le mettre comme ça. Je m'y attendais et là, et pas avoir beaucoup joué malgré la victoire, on va pas s'arrêter là-dessus. On va continuer, on a gagné, donc on reste positif et on continue à travailler. Est-ce qu'un joueur comme Deron Williams, ça donne la confiance dans les fins de match un petit peu serré? Ouais, c'est clair. C'est clair. Je pense qu'il prend un shoot à la fin du match qui c'est 50%. C'est soit ça passe, soit ça passe pas. Malheureusement, c'est pas passé. On se prend trois overtime. Non, mais c'est clair que. Combien de passes il fait ce soir? 15, 16? Il apporte ça, c'est un joueur qui apporte beaucoup de passes, il apporte beaucoup de présence par l'offense et ça nous aide énormément, ça ouvre les shooters, ça ouvre Brook à l'intérieur, ça ouvre beaucoup de choses. Est-ce que de passer une semaine comme ça à Londres ensemble, ça a aidé pour l'intégration justement? Moi je pense, parce que si je me rappelle bien, il n'y a pas un repas qu'on n'a pas passé tous ensemble, il n'y a pas une journée libre qu'on n'a pas passé ensemble, donc je pense que ça... Même ceux qui étaient déjà là, ça nous a un petit peu plus rapprochés et encore plus avec le nouveau. Finalement, c'est une très bonne expérience d'être venu à Londres, quoi. Ah non, mais c'est clair. Même, je pense que tout le monde était impatient de venir. Maintenant que ça a été fait et les résultats qu'on a obtenus, je pense que tout le monde est assez satisfait de ça. Et maintenant, il va falloir faire la même chose aux États-Unis. Alors, ce soir, c'est quoi? C'est la soirée londonienne? On a une réception là tout de suite. Là, c'est pour ça qu'on est habillé sans manches. Non, ça c'est juste moi. Si on fait bien attention, il n'y aura que moi sans manche. On a ça. Je pense qu'on va aller tous manger quelque part et puis faire nos valises pour entrer à la maison. Et l'ambiance à Londres, dans cette salle, le Arena, 20 places? Surprenant. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas que ça soit sold out. Ça a été sold out les deux nuits. Super ambiance. À un moment donné, ils ne savaient pas pour qui être, soit les New Jersey, soit à Toronto, mais c'était génial. Merci. Merci.